Bonjour, je suis Michel Colonna. J'ai une formation d'une école hôtelière en Suisse, le Centre international de Glion, et j'ai une expérience de 25 ans dans l'hôtellerie comme directeur d'hôtel. J'ai eu la sensation, le sentiment d'avoir un décalage au fil des années qui se créait et d'être dans une industrie qui devenait de plus en plus financière. C'est la raison de mon choix de la formation IFI pour me permettre d'acquérir les connaissances pour communiquer d'égal à égal avec ces nouveaux partenaires et dans cette nouvelle dimension financière du monde hôtelier. L'enseignement clé, naturellement, les paramètres financiers étaient importants à comprendre, mais ils m'ont amené à une meilleure compréhension des gens avec lesquels je travaillais, en interne ou en externe dans mon entreprise. Je trouve que c'était ça qui était le plus important. S'il faut retenir vraiment quelque chose, c'est ne pas prendre de retard. La procrastination est vraiment l'ennemi numéro un. Le programme est lourd, il y a beaucoup à faire, surtout si, comme moi, on travaille en même temps. C'est tous les soirs et tous les week-ends du travail. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire en dilettante ou c'est pas un amusement, c'est très sérieux. L'avantage de cette formation, c'est qu'on est en petits groupes. Le groupe dans lequel j'étais, nous avons eu la chance de comprendre que notre meilleur atout était de travailler ensemble. Nous sommes créés des outils informatiques pour communiquer. En plus, nous étions dans beaucoup de pays différents, des boîtes Dropbox, canaux WhatsApp et autres. Et nous étions en communication pratiquement tous les jours pendant tout le programme. Quand il y a un petit moment de faiblesse ou quand on a un questionnement, quelqu'un d'autre dans le groupe va pouvoir supporter et aider à passer ce petit moment. C'est ce qui, je pense, dans notre groupe, a permis à tout le monde d'arriver jusqu'au bout. Je pense que c'est ça le plus important. Travailler en groupe, ne pas s'isoler et ne surtout pas prendre de retard. Même si on peut avoir des questionnements par moment, parce que c'est un programme très complet, très exigeant, c'est vraiment un programme dans lequel moi j'ai appris énormément, aussi bien en termes financiers ou en termes de gestion d'entreprise qu'en termes humains. Je pense que ce petit critère en plus, l'apprentissage des autres, que moi j'y ai trouvé, fait la richesse de ce programme et son importance.